la poudre elle sort, ça fait pfff. On dirait la potion magique. Donc j'en applique. Oh putain de merde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens avec vous je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo où j'essaye les produits Primark. Moi j'aime bien Primark, franchement j'aime bien faire le shopping chez Primark, etc. Mais pour le maquillage j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit voilà, un fond de teint 2 €, la qualité doit être un peu bizarre. Et j'ai pas envie de me retrouver avec des boutons comme ici par exemple. Petits boutons comme ça qui apparaissent. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas tester, on sait jamais, je peux être agréablement surprise par ces produits, on sait pas, allons-y. Et puis ça pourrait être vraiment une chouette vidéo, donc voilà. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous désirent savoir un peu les produits Primark, ce que ça vaut. Donc je me suis dit why not, je vais tester ces produits pour vous et à la fin je vous dirai mes impressions. Donc on va commencer avec le fond de teint de chez Primark, forcément. Ce que j'ai pris ici, j'ai pris le Perfect Finish Foundation Medium to Full Coverage. Donc voilà, donc j'ai pris le Cool Expresso. Donc j'en applique. Oh putain de merde. Et oh, désolée. J'en ai appliqué un petit peu. Déjà ma brosse elle est en train de mourir. Tous les poils sont en train de se barrer, donc c'est pas grave. Hop. Alors voyons voir. De toute façon du produit de vaisselle. Ils sont pas mauvais mais on dirait du produit de vaisselle. That's not bad. J'en remets une petite couche parce que pas mis assez. Faut mettre la couche hein. Hop. Donc pour le fond de teint, bon, malgré qu'il y a une odeur de savon de vaisselle ou de je sais pas quel genre de savon, mais après franchement, je trouve que c'est assez couvrant. C'est pas si mal au final. Pour un fond de teint assez léger, je trouve que c'est pas si mal. On continue. Donc, je n'ai pas pris de crayon brun, j'ai pour mon zappé. On va faire du noir. C'est pas grave. Donc, ça, c'est le crayon pour les yeux. Mais je vais l'utiliser pour mes sourcils. Et on va faire un petit peu, vraiment légèrement, histoire de donner une petite. J'utilise pas du crayon noir d'habitude pour faire ça, mais c'est pas grave. Parce que comme je n'ai pas de crayon brun, j'ai complètement zappé. On va se débrouiller avec du crayon noir. Ok. Donc je vais prendre ce concealer de chez Primark, forcément. Il m'a coûté 3 €. Et j'ai pris la teinte caramel. Oh, oh my god, le truc qui est resté à l'intérieur, vieux. Purée. Et je suis censée faire comment moi du coup? Ah ouais, d'accord. Donc le truc qui s'est barré quoi. Il est à l'intérieur. Du coup, c'est pas grave. On va, ça va pas nous empêcher à faire nos sourcils. Ouais, franchement, il y a tellement
ils ont mis. On dirait qu'ils ont mis de l'eau à mélanger avec des. On dirait qu'ils ont mélangé de l'eau à mélanger avec le produit, quoi. Donc, on enchaîne avec ce concealer cassé. Du coup, on va contourer tout ça. Ah, là, c'est pas cassé. Bien, Diana. Donc, oh, j'ai oublié de vous montrer. Donc, les concealers des Primark. Je vais aimer ce petit produit là, un peu sympathique. Pour 3 euros, franchement, on va pas jeter la pierre. C'est déjà 3 euros, on va pas se prendre. On continue avec ce produit qui m'a coûté 2,50€. La teinte est caramel. Et on va voir ce que ça donne. Donc déjà, la poudre elle sort, ça fait pouf. On dirait de la potion magique. Pour 2,50€, c'est. Franchement, ça va, hein. Ça va, ça fait le job. C'est pas. Pas Fenty, quoi, mais. Ou c'est pas Huda Beauty, mais bon. C'est pas. Ça fait des jobs. Regardez cette palette. Donc, j'ai pris la rose, j'aime trop. Elle m'a coûté 3,50€. Regardez la palette. C'est pas magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme j'ai pas de primer, on va prendre le bout cassé là, un poli. Bref, on va prendre ça comme ça. On va juste. Donc, ça va faire affaire de primer. Donc je vais prendre ça, cette petite couleur mauve, et je vais venir la poser sur ma paupière. Est-ce que c'est la paupière mobile ou la paupière non mobile? Je vais venir la poser sur la paupière mobile. C'est bien s'il y avait plus de couleurs mat. Il y a beaucoup de couleurs irisées, mais il n'y a pas vraiment de couleurs mat. Et j'aime bien les mélanger un peu couleurs mat à mes couleurs irisées. Ensuite, on va profiter des rosés ici pour venir faire les blèches. Donc franchement, voilà. Franchement, c'est pas mal, hein. On va venir mettre les fossiles, les full look. Les full look, parce qu'on veut un look complet.
J'ai tenté de mettre des fossiles de chez Primark. Je pense que... Voilà, je sais pas si j'ai réussi à fond, mais c'est pas grave. Je viens avec le... Là, j'aime vraiment bien cette gamme. La Super Matte et Liquid Lipstick. Super belle gamme de chez Primark. Et je vais mettre celui-là sous mes lèvres. C'est un mauve. Je vais mettre un mauve foncé ça sous mes lèvres. Magnifique, vous allez voir. Super beau. J'aime beaucoup cette gamme de... leur gamme de rouge à lèvres. Et d'ailleurs, je suis partie chez Primark, je les ai plus vus. C'est bon. Pour finir avec la petite touche glam. Non, mais je vais prendre ici cette couleur rose pâle. Je vais juste venir... Voilà. Et je sais pas si je peux essayer de faire un highlight avec maybe celui-là. Let's see. Ça va fonctionner ou pas? Ouh, ça fonctionne! Mini highlight. Vous voyez, cette palette, elle est multifonction en fait. Blush, highlight. Voilà le look final, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi franchement, je vais pas mentir, je suis agréablement surprise par ces produits. Malgré que j'étais super sceptique, je trouve que les produits sont vraiment géniaux. Franchement, avec 3,50€, mais vraiment les filles, avec 3,50€, j'ai pu avec cette palette faire mon blush, mes yeux et un petit peu de highlight. Damn! Alors là, franchement, 3 en 1 quoi. Un peu déçue forcément que mon concealer, bah, quand je l'ouvre, bah, il se casse. Voilà. Après, c'est le produit que je suis le moins aimé dans le sens que je sentais que comme s'il y avait, comme si le produit était mélangé avec un peu d'eau, mais malgré ça, le résultat est vraiment, vraiment, vraiment bien pour franchement 2€, 3€, je pense qu'il m'a coûté ce concealer 3€, c'est vraiment top. C'est sûr que le concealer pour le contouring que je l'utiliserai quoi, voilà, parce que j'aime vraiment bien le fini. Et voilà, donc vraiment tous les produits que j'ai utilisés, je les ai bien aimés. Mon rouge à lèvres, les fossiles, le crayon sur les yeux, etc. C'est des produits que j'utilise régulièrement, donc voilà, que j'aime beaucoup utiliser. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt.